Mon nom, c'est Steve Michaud. Je suis cueilleur de champignons. Je suis pas vraiment ce qu'on appelle un mycologue. Je me qualifie pas comme ça parce que, oui, les premières années, je m'acharnais à essayer d'identifier toutes les espèces que je rencontrais. Mais on se rend vite compte quand on fait ça que, finalement, le pourcentage de champignons qui sont vraiment intéressants pour le mycophage, pour la table, c'est assez restreint. On a peut-être... On a une quinzaine d'espèces là, qui vraiment valent la peine là, qu'on prenne des vacances pour courir après en forêt. Là. Ça fait que assez rapidement, je me suis concentré que sur les espèces qui avaient vraiment une valeur culinaire intéressante, qui étaient vraiment des chefs-d'œuvre gustatifs. J'ai eu une compagnie dans le champignon pendant 5 ans. J'ai formé des cueilleurs, j'ai fait de la transformation, de la mise en marché pour essayer de faire découvrir aux gens. Ces délices forestiers. Et j'ai envie de vous partager ma passion, de vous présenter les quelques espèces qui sont vraiment intéressantes. Ça fait que, généralement, on ne s'éparpillera pas trop. On va pouvoir peut-être regarder un peu, survoler les autres familles de champignons, mais on ne perdra pas beaucoup de temps là-dessus. On va aller droit au but vers vraiment les excellents comestibles. Belle ornière ventrue. Superbe. Bon, un petit plumasse là, qu'on va enlever à l'invitant. On va jouer là-bas. Là. Cool. L'ornière ventrue, quand on la trouve, souvent c'est un bouton qui est enfoncé dans le sol, qui est très profond. Ça ressemble d'une patate. Mais ça a une belle chair blanche, là, une bonne saveur, là, douce. Là. Ça goûte les amandes. Ça sent les amandes aussi. C'est tellement beau. Regardez ça. C'est un bouton. Quand, à l'âge adulte, là, ça vient à 30 cm facile. Là. Ça vient haut comme ça. C'est tout blanc avec des écailles argentées. Puis à l'intérieur, là, si on la coupe, espérons qu'il n'y a pas de verre. Non. L'intérieur, c'est vraiment une belle chair blanche. On voit ces lamelles sont encore toutes enroulées. C'est un des rares champignons que les lamelles se forment vraiment quand il devient mature. Sinon, quand il est petit comme ça, il n'y a pratiquement pas de lamelles. C'est un champignon qui va pousser dans les forêts mixtes à dominance résineuse, beaucoup avec l'épinette blanche, l'épinette de Norvège. Ça pousse avec l'épinette. Il va pousser vraiment en talles assez nombreuses dans les plantations. Là. C'est fou comment est-ce qu'il en pousse. Là. C'est un champignon qui gagne à être connu, même s'il est encore un peu boudé. Je pense que c'est un champignon qui est très peu typique, en fait, qui est très long à cuire. Si tu veux faire revenir là, une bonne tranche assez épaisse, là, ça peut te prendre un 15-20 minutes, là, puis tu réhydrates. Puis tu... Ça fait que, comme ça ne se cuisine pas comme la majorité des champignons, c'est un peu boudé par les gens, mais il gagne vraiment à être connu parce qu'il reste croquant, ferme. C'est un champignon intéressant. En salade, c'est génial. Les champignons font partie de notre culture depuis la nuit des temps. Ils nous rendent une multitude de services. Ils peuvent même faire une différence sociale importante.
On a rencontré cette semaine Geoffroy Renaud-Grignon de l'entreprise Champignon Maison. Écoutons-le nous parler de plusieurs de leurs vertus. Je m'appelle Geoffroy Renaud, je suis fondateur de Champignon Maison, je suis instigateur de l'Institut de mycologie appliquée du Québec. J'ai fondé Champignon Maison en 2012. On est la première initiative québécoise qui fournit des trousses de culture de champignons qui sont faites entièrement de mort de café, revalorisées, dans le fond. Ça nous permet de nos jours d'aller chercher environ une tonne et demie par mois, peut-être, de mort de café là, de ces temps-ci, dans un rayon d'un kilomètre du laboratoire. J'ai un parcours de sciences humaines, si tu veux. Fait que la genre de blague, c'est un peu que j'ai étudié en anthropologie. Puis en anthropologie, on étudie les cultures, puis leur résilience, puis leur moyen d'échange, puis de communication, puis tout. Puis dans le fond, moi, j'étais en rédaction de maîtrise en anthropologie. Puis j'ai eu une opportunité pour participer à un projet qui se déroulait dans le Myland. Puis on voulait jardiner, dans le fond, cet endroit-là. Puis on s'est rendu compte que le sol était contaminé, puis qu'il était adjacent à un ancien réservoir de mazout à chauffage. Fait que ça a amené certains stress puis tout, puis on s'est mis à étudier un peu des stratégies pour décontaminer le sol. Puis c'est à ce moment-là que je suis venu au contact là, de la mycorémédiation, dans le fond, là, la capacité des champignons à décontaminer les sols, spécialement, dans le fond, les hydrocarbures, puis les produits pétroliers. Puis c'est un peu, nous, on s'inspire, entre autres, c'est ça, des protocoles comme les torrent files de dématérialisation de la culture, puis aussi parce que le mycélium, on dit un peu, c'est l'Internet de la nature, là, tu sais, c'est une de ces technologies disruptives-là, tu sais, puis pour nous, tout le monde gagne à ce qu'on comprenne mieux ce qu'est le mycélium, puis qu'il soit dans les mains du plus grand nombre possible. Parce que nous, on est bien au courant qu'on en sait très peu. On est une paire parfaite, tu comprends? Parce qu'on est l'organisme qui déstabilise la planète, puis on est aussi bien d'arriver à s'allier avec celui qui rétablit un certain équilibre. Sinon, c'est ça, on va courir à notre perte un peu, là. Salut Philippe! Oui. Check ça ce que j'ai aujourd'hui. Une larmière ventrue. Wow! Beau, hein? Oui, elle est belle. Ah, tu l'as checké aussi? Oui, je t'en ai coupé plusieurs morceaux, m'assurer qu'ils n'étaient pas piqués. Ils sont vraiment très belles, pas piqués du tout. Wow! Très bon. Des beaux steaks, hein, pareil? Oui, 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 c'est assez charnu, là. Cool! On va voir ce qu'on va faire avec ça. Yes! Ce qu'on va se faire, c'est juste une petite salade, toute simple. Prendre les armillaires ventrus, on va se les faire mariner. Puis on va accompagner ça avec des plantes de bord de mer, des fleurs sauvages, toutes les bonnes choses qu'on trouve dans le garde-manger, comme on dit, sur le bord de l'eau ici. Ici, j'ai mon vinaigre. Moitié vinaigre de cidre, moitié eau, un peu de sel, un peu de sel, un peu de sucre. Grains de poivre, feuilles de laurier, tout simplement. On amène ça à ébullition. Parce que là, et voilà. Pas longtemps, on va laisser ça mariner en cuisant même à peine quelques secondes, ça va être correct. Surtout si c'est tranché fin. On peut se les sortir pour plus tard. Voilà. Champignons marinés minutes. Ça, c'est fini. Les épinards, le plantain maritime, la salicorne. J'assaisonne toujours ma salade, mais cette fois-ci juste avec du poivre, parce que les plantes sont déjà salées. Un peu de persil, un peu d'échalote, une huile d'olive, un petit
peu de vinaigre de vin rouge. On va y mettre des tomates fraîches du jardin. Parce que, pourquoi pas? C'est ça la beauté de la chose. C'est, tu peux prendre ce qu'on a dans le jardin, au marché. Tout ça, c'est disponible là, littéralement à côté de chez nous. Petit morceau. Puis on mélange ça avec ça. T'sais, qui a dit qu'une salade, ça avait besoin d'être plate? Plein de choses qu'on peut se rajouter là-dedans. On met ça dans l'assiette. On a un beau produit vedette, qui sont les champignons. On va les mettre sur le dessus. Quand tu as la chance de prendre une planche qui est faite en allée de bowling comme assiette, ben tu t'en profites. Les fameuses fleurs sauvages à Nicole. D'ailleurs, on la salue. Merci Nicole. Très sympathique. On a du cosmos, du flox. Petite dernière. On saupoudre de couleurs, comme ça. Et poudre de betterave. Tiens. Et voilà. Tout simplement, salade de champignons, plantes de bord de mer, fleurs sauvages. Et à l'aide de quilles. Bon appétit. Je suis avec Jonathan, sommelier propriétaire au Sang Royal. Jonathan va me proposer un vin pour accompagner ma salade à l'armière. Alors, on a choisi le domaine du Nival, c'est la première cuvée, ça vient du Québec, de Saint-Louis, on est dans le coin de Drummondville. Le cépage, c'est du Vidal, cépage qui est super bien acclimaté au nord, ici donc au Québec, qui nous vient d'Europe. On a choisi ce vin-là, entre autres, parce que l'armillaire, aromatiquement, s'est rempli d'umami, la fameuse saveur qui a été redécouverte, d'ailleurs, à partir des shiitakes. Et puis, dans ce vin-là, il y a une deuxième fermentation, une fermentation qu'on appelle malolactique. Alors, il y a deux arômes qui dominent dans ce vin. Il y a de l'acidité, de la fraîcheur, mais il y a aussi un petit côté lactaire, un petit côté, justement, qui rappelle vaguement le chardonnay, donc qui vient chercher le champignon. C'est vraiment délicieux.